monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que bientôt c'est Halloween et donc j'ai voulu tester donc un make-up, enfin vous montrer un make-up spécial Halloween. Donc allez, c'est parti. Ici, le teint il est déjà fait, j'ai mis donc un fond de teint normal, basique. Et là, je vais commencer par les yeux où là, je vais mettre un fard à paupières orangé, comme vous pouvez voir, sur la partie mobile jusqu'aux sourcils. Et je l'ai fait de chaque côté. Maintenant que l'orange est fait, je vais mettre donc du noir dans la partie mobile de l'œil, toujours avec le même pinceau puisqu'il y aura un mélange de couleurs, donc ça ne sert à rien de changer. Et bien sûr, toujours de chaque côté. Maintenant, avec un pinceau court et plat, je vais appliquer tout, du noir tout le long du sous l'œil en fait, jusqu'à faire une petite virgule qui relie jusqu'au sourcil. Maintenant, je vais brosser donc les sourcils et après, par la suite, je vais utiliser un pinceau plus pointu pour appliquer la couleur noire tout le long de mon sourcil pour le dessiner. Après avoir fait cela, je vais donc faire une petite virgule qui va vers le haut, au sens inverse donc, du sourcil. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. En réalité, c'était un peu compliqué de vous expliquer comment je le faisais. Mais bon, par image, vous allez comprendre. Maintenant, c'est le nez. Donc, je vais mettre avec mon petit crayon rouge, faire le contour. Et par la suite, colorier l'intérieur. Maintenant, avec toujours le crayon rouge, je vais partir du coin de la bouche et aller vers l'œil. Et après, passer au-dessus du sourcil et faire seulement un petit trait pour ressembler en quelque sorte à un petit clown. Et pour finir du make-up, j'ai donc appliqué un rouge à lèvres rouge, mais au départ j'ai donc fait le contour avec le crayon et après appliqué un gloss liquide rouge que vous pouvez voir de Sephora. J'avais oublié de mettre donc le mascara, donc j'ai mis un mascara blanc qui permet donc de rallonger les cils et par la suite le mascara de couleur noire pour les cils également. Que le make-up est fini, juste à la coiffure. Donc moi je conseille plutôt un décoiffé, mais vous pouvez mettre aussi une perruque si vous le souhaitez. Voilà pour ce make-up, j'espère qu'il vous a plu et que dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, etc. Et après c'est mon premier make-up donc je suis pas trop habituée de faire ça et tout, donc soyez gentils avec moi. Donc voilà, si vous n'êtes toujours pas abonné, ben, mettez s'abonner, pas et tout, c'est gratuit et tout le tralala. Mettez un petit like, un petit pouce bleu vers le haut et partagez au max comme d'habitude et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.
Ciao.